Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Beau matin à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine du mois de mai 2022.
J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 9 mai 2022 et nous allons continuer avec l'archange Métatron. L'archange Métatron qui a été un humain, comme son frère jumeau Sandalphon. Alors aujourd'hui, on terminera par l'énergie de guérison. Je vais commencer, vous savez, tout passe par la pensée. Et c'est à penser tous les matins, n'est-ce pas? Vous vous dites ça tous les matins. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé Archange Métatron. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous, pour ascensionner et bien vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Notre bel archange Métatron. Alors, le rayon blanc de l'archange Métatron, eh bien, il vous entoure présentement. Il est à vos côtés, n'est-ce pas, pour vous offrir de merveilleux enseignements. Alors, son énergie, elle possède une vibration très particulière. Elle vous entoure. Vous possédez une plus grande clarté spirituelle et vous commencez une nouvelle phase de votre existence. Et ce bel archange Métatron, eh bien, il vient vous offrir la possibilité de vous enseigner comment nettoyer adéquatement l'ensemble de vos corps énergétiques pour que durant vos méditations, vous puissiez ressentir son énergie et entendre sa voix. Et pourtant, en cet instant précis, il vous dit également de laisser tomber vos masques et de cesser de combattre chaque jour en créant vous-même les obstacles sur votre chemin. Ça doit parler à certains d'entre vous comme ça ne peut pas parler à certains d'entre vous. Posez-vous la question, est-ce que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues? Est-ce que vous vous créez des situations qui vous stagne? La force des pensées positives doit être présente dans votre vie. Et ce bel archange Métatron vous dit d'être compatissant, mais aussi d'être positif, n'est-ce pas? Ne ruminez pas le passé. Le passé est derrière vous. Est-ce que vous vous mettez des bâtons dans les roues en ressassant toujours le passé? À quoi cela sert? Ça ne sert à rien de jouer le martyr. C'est votre ego là qui parle. Acceptez ce qui est
vos choix, vos décisions et encore une fois, tout ce que vous avez vécu jusque ici et maintenant, jusque maintenant. On ne vous a pas mis un revolver à la tempe pour que vous acceptiez tout, n'est-ce pas? Vous avez eu le choix. Inutile de reporter sur l'autre. Ça ne sert à rien. Donc c'est juste un travail à faire sur soi. Et en effet, vous êtes aux prises avec une décision à prendre aujourd'hui. Présentement, vous devez prendre une décision. Et là, notre bel archange Métatron, il vous dit « Écoutez votre intuition, c'est tellement important pour la suite des événements qui vont se passer dans votre vie. Ayez foi en vous, prenez les bonnes décisions. Les anges vous entourent, n'est-ce pas, afin de vous aider à faire un choix le meilleur pour vous. Et pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, il y a un de vos rêves qui pourrait bientôt prendre forme, donc ayez confiance en vous. C'est un très très beau message de l'archange Métatron qui a vécu ici sur Terre et qu'il sait comment l'humain pratique ici sur Terre, comment l'humain pratique. On termine avec l'énergie de guérison et j'ai pigé le bien. Eh bien, je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Et bien voilà encore un magnifique message pour aujourd'hui. Et moi je terminerai, n'est-ce pas, puisque tout est dans la pensée. Tout passe par la pensée. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. À demain.